un programme aux petits oignons. J'y suis sûre. Je suis la reine du rétroplanning. Ah, les enfants, je suis quoi, là? Gros cœur de boudin. On arrête de dire des vilains mots. J'ai le salope. J'ai le bout des seins très sensible. Et à la moindre contrariété, j'ai des crevasses. Détendez-vous, Marie-France. Ah, mais moi, je suis très détendue, vous savez. J'espère que tu connais le secret pour ne pas avoir de crevasses au mamelon. En fait, je suis pas sûre d'avoir très envie de parler de ça avec vous. J'aime beaucoup Clémentine, tu le sais. Mais si je peux me permettre... Tais-toi. Pardon? Je ne me sens pas soutenue, Michel, mais pas du tout. Je prêche dans le désert, dans cette famille. J'en ai marre. Je suis ravie de vous accueillir aux chaînes cette année encore pour fêter Noël en famille. Le buffet va être formidable. Et maintenant, dégustation. Agneau de lait et sa farandole de légumes. Macarons à la rose. Ne te goinfre pas de ces cochonneries, c'est bourré d'huile de palme. Mortel! J'avais besoin de sucre. Caroline, vous êtes géniale. C'est vous qui êtes géniale. Michel! Tiens, j'en peux, l'enfant! Il arrive. Je suis tellement contente que nous soyons une famille unie. Et si je ne suis pas informée des problèmes que rencontrent Clémentine et Caroline, comment tu veux que je les aide? Peut-être en ne les aidant pas. Qu'est-ce que tu fais? Chut! Mêle-toi de ce qui te regarde. Je suis toute chaude, Michel. Ce n'est pas à toi, j'imagine? Votre fils s'est engagé à ne pas avoir de relations sexuelles sous le toit familial. Bravo, garçon, hein? Je ne peux pas. Mais vous ne pourriez pas vous la garder dans le pantalon. De quoi vous parlez? Écoutez, Jean-Paul, vous me prenez pour une cruche ou quoi? Je vous ai entendu pendant des années avec papa et ça m'a pas traumatisé, hein. Tu crois qu'il a entendu qui de nous deux? À ton avis.